Salut salut, c'est Vava. Et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo de Minecraft. Donc pour présenter encore un système, un gros système rigolo. Et ici c'est un truc pour avoir beaucoup de poulets à manger. Donc celui-là c'est en fait le plus compliqué. D'ailleurs j'ai pas commencé par lui, vous verrez ça un peu plus tard. Je vais commencer par le plus simple, enfin qui est déjà quand même assez gros. Donc ouais, là ça fait un gros truc comme ça en longueur, plus un truc derrière. C'est en gros pour cacher tout le système quoi. Parce que c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de redstone pour faire tout ça. Et donc là on a ce truc avec plein de lanceurs là dedans et des vitres. Enfin les vitres c'est juste pour admirer la scène. Donc là j'appuie là dessus, ça lance des œufs. Donc au bout d'un moment il va finir par spawner des poules. Enfin j'espère. Voilà. Il y en a une, deux, quatre. Ouais c'est bon quoi. Enfin quand on en a assez, on appuie sur le deuxième bouton. Et là ça a pas marché. C'est facile, faut faire plus quoi. Ça envoie des flèches en fait. Il en reste une derrière. Voilà. Et à chaque fois en fait il envoie plein de flèches, sauf que là je vois il les envoie au plafond ce boulet. Ouais, faudra que je trouve un moyen de corriger ça, c'est pas grave. Et après on peut rentrer et on peut récupérer tout ça. Donc là je vais en profiter, donc là c'est les œufs, par contre j'en ai plus à récupérer. Par contre je vais pouvoir ranger quelques flèches. Et avec les plumes je pourrais m'en servir pour faire d'autres flèches. Voilà voilà. Donc ça c'est le premier, assez simple. Et puis pas super efficace, enfin bon. Ça fait 4 poulets là comme ça, mais assez rapidement c'est vrai. Puis c'était plus pour le fun à la limite. Le suivant par contre il est vraiment énervé. Mais ça c'est un vraiment immense système aussi. Oh, un œuf. Ouais. Donc là j'ai fait tout, enfin derrière j'ai fait une entrée pour pouvoir recharger. Genre là je peux mettre des œufs et tout. Et là en haut, moi je vous montrerai après, ça va être la petite surprise. Ouais, donc là il y a toute la façade à l'avant. Et donc là il y a le bouton poule. Donc on va spawner des poules. On voit il y a les trois lanceurs là-bas au fond. Et alors tout ça en obsidienne. Pourquoi de l'obsidienne? Parce qu'il me fallait un matériau très résistant. Alors c'est clair, sans le mode créatif, vous allez avoir du mal à trouver autant d'obsidienne pour faire le montage. Mais bon, c'était plus pour le fun aussi, pour le délire. Donc là je vais spawner un maximum de poules. Allez. Quand j'en aurai une dizaine au moins, je vais pouvoir m'amuser avec le bouton de gauche. Ah voilà, là ça se remplit bien, ça va être vraiment efficace celui-là. Déjà il lance 3 œufs à chaque fois, donc les poules spawnent beaucoup plus vite. Ensuite il y a plus d'espace pour stocker les poules. Ouais voilà, on dit qu'on en a assez là. Hein, c'est bon. Ok, et ben on appuie sur le deuxième bouton. Boum. Hop, une petite TNT qui tombe. Paf. Ça c'est merveilleux. Et là on ramasse tous les poulets, voilà, qu'on a en masse. Je vais remettre un petit œuf ici. Et donc ouais voilà, le gros bunker en fait en obsidienne là, ça résiste à la TNT. Il y a que les poules qui prennent cher. Et là on a une cheminée, en fait la TNT elle tombe de là-haut. Et donc à chaque fois il faut le recharger et il faut remettre des vitres. Là d'ailleurs j'en ai plus, c'est ballot. Bon, les vitres c'est pour le style en fait, mais après tout ça sert pas à grand chose. Et donc bah, si j'ai de la TNT, là j'en ai plus en fait, c'est vraiment la dèche. J'ai plus rien, c'est bon voilà. Si il faut, enfin après pour recharger il suffit de remettre une TNT ici, et c'est bon. Et en fait ouais, avec le circuit de redstone qui monte jusque là, quand j'appuie sur le bouton ça active la redstone, ça active la TNT, quand la TNT est activée elle tombe. Et ça fait boum, pile là où il y a les poules. Et comme j'ai mis les lanceurs assez loin, ça les endommage pas, donc ça c'est nickel. Et puis pareil, comme la porte est assez loin aussi, bon moi je prends pas trop cher. Voilà. Bon bah là il veut même pas spawner de poules pour la fin, c'est dommage. Si voilà. Et puis après bah c'est fini. Pour l'instant j'ai pas d'autres montages à faire. Mais ouais en gros c'était celui-là pour le délire. Enfin celui avec la TNT il est vraiment bien, avec les flèches il bug un peu. Genre des fois les poules elles sortent du mur. Puis ouais voilà, il y a la méthode traditionnelle de tuer les poules à la main, bon si on veut.
Et on va se quitter sur un petit lancer de flèche. On voit quand même que ça tire pas super précis. Ah ok, il bug au dernier moment. Il veut plus là. Merde. C'est la poule qui m'embête là. Oh, j'ai réussi à faire bugger le bouton. J'allais mourir. J'allais mourir et j'ai fait bugger le bouton. Et il me donne même pas là. C'est là le serveur il bug, je crois. Ah oui, là vraiment.